il est prêt à plâtrer. Je revais tout ce qui dépassait des niveaux du mur, de ce mur-là. Je vais laisser sécher un peu et puis j'essaierai d'enlever. Voilà. Nickel. Là, c'est le mastic qui fait chier. Bon, mon mur avance tranquillement. Là aujourd'hui j'ai utilisé un plâtre qui ne prend pas, le Knauf Goldband. Je l'ai appliqué il y a 3 heures et il commence à peine à tirer ici. Mais là c'est encore tout humide et si j'appuie, eh ben, je fais une belle trace de doigts. Tonton a fini de surfacer les murs du salon. Et Charlie a commencé à faire le cadre. Pour le coffrage de la salle de bain. Parce qu'en fait, on va coffrer cet IPN là qui est tout moche. J'ai l'impression qu'il n'est pas du tout droit son truc. Je vais aller prendre un niveau. Makita. Alors, outil multifonction Makita. Formidable. Système d'aspiration. Moi, j'ai pris ça pour deux choses. La première, c'est poncer les lames de bois des volets. Comme on peut le voir ici. Et la deuxième, c'est pour enlever le résidu de moquette qu'il y a ici avec ce racloir. On va essayer ça tout de suite. Bon, j'ai quelques outils là qui étaient vendus avec, un plateau de ponçage sans papier abrasif. Ça, c'est pour couper wood and metal. Allez, on branche ça, on essaye ça. Ouais bon, c'est pas formidable. Hein. J'espère que ça marchera mieux sur les volets. Bon, ça marche pas mal ça. La version grain 40 aurait peut-être mieux fonctionné quand même. Ce matin avec Charlie, on va s'occuper de reboucher ce gros trou sous la fenêtre du salon. Comme tu vois, ça donne dehors, il n'y a plus rien. Tout était pourri. Ça avait pris l'eau, infiltration. Et... On va reboucher ça au béton. On va couler un béton, on va faire un coffrage devant. Et puis voilà. Oh, qu'est-ce qu'il raconte ce petit coffrage là? Ça tient toujours? Est-ce que ça commence un peu à durcir? Ouais, c'est dur. Bon, va falloir meuler là parce que le coffrage il a pas tenu en bas et ça s'est complètement. Ça baille. Bon, allez, on s'en va. Oui.
Et donc il y a les gonds qui sont restés sur la maçonnerie.